Putain. Putain, mais de... Putain, mais t'as déjà marché une fois dans ta vie, toi? Oui. Salut à tous, et aujourd'hui on va parler de la Dreamcast! Bon bah c'est bon, on a compris que t'en avais une. Oh putain, c'est quoi cette voix? Bah quoi, t'avais la flemme de faire ma voix, donc tu la modifies sur ton PC. En plus, t'avais un peu une voix de merde quand même. Mais ferme ta gueule! Bon, la Dreamcast est une console développée par... Elle est commercialisée en 1998 au Japon et en 1999 dans le reste du monde. De plus, elle est la première console de la sixième génération à s'être vendue. La sixième génération, c'est celle de la GameCube, de la Xbox et de la PS2. Comme d'habitude, Sega nous vend encore une console qui vient adapter des jeux d'arcade comme Soul Calibur, Virtual Tennis ou encore Street Fighter 3. C'est une console tellement faite pour l'arcade que si vous y mettez le double de RAM et de mémoire graphique, vous obtenez une Naomi. La Naomi est une borne d'arcade commercialisée par Sega en 1998 qui est basée sur le système de la Dreamcast. Une extension existe pour la Naomi et Naomi 2 qui permet d'ajouter un lecteur de GD-ROM. La Naomi 2 est une amélioration de la Naomi avec juste le double de RAM et un meilleur processeur graphique. Bon, tu parles de la Dreamcast, oui merde. Et d'ailleurs, c'est pas pour rien que l'on retrouve sur certains jeux comme Soul Calibur un message indiquant Insert Coin. Comme la Naomi, la Dreamcast utilise un lecteur de GD-ROM. Le GD-ROM est un format de disque créé par Yamaha pour Sega. Les CD-ROM sont gravés en vitesse linéaire constante, c'est-à-dire en spirale. Tandis que les GD-ROM sont gravés en vitesse angulaire constante. C'est-à-dire en angle, c'est-à-dire un peu dans le désordre. En fait, j'ai pas très bien compris comment ça marchait, mais en gros, ça fonctionne comme le disque de l'air. Vous avez sûrement déjà fait tourner une pièce sur une table. Eh bien, c'est pareil, mais en deux dimensions. Ça veut donc dire qu'elle utilise la totalité de la surface du disque pour ne perdre aucun espace. Les conséquences de ce mode de gravure sont le fait qu'il y a jusqu'à 1,2 Go disponible. Des lectures plus rapides pour moins de vitesse et moins de bruit. Même si la lentille de la Dreamcast fait un bruit horrible. Cette méthode de gravure est faite d'une manière que l'extérieur du disque est plus rapide. Donc c'est à cet endroit-là que le disque commence, contrairement à un CD classique qui commence par l'intérieur. Ce qui permet d'éviter le piratage. Même si maintenant on sait comment graver des CD à l'envers, mais bon. Ce système de gravure est également utilisé sur la Xbox, la GameCube, la Wii, Wii U, la Chihiro et la Triforce. La Chihiro est une borne d'arcade créée par... Maître Sega. Basée sur le système de... la Xbox. Et là c'est comme la Naomi. On met le double de RAM et on a une Chihiro. Il y a aussi la Triforce, qui est l'alliance de Sega, Nintendo et Namco. Et je vous laisse deviner où ils ont trouvé le nom. La Triforce est basée sur la GameCube de Nintendo. Et utilise les GD-ROM de Sega. Et les jeux sont tous édités par des éditeurs japonais comme Namco, Bandai, qui maintenant est devenu Namco Bandai, Sega, Nintendo, etc., etc. La Dreamcast est la première console de salon à pouvoir se connecter nativement en ligne. C'est-à-dire qu'il y a un kit de connexion à Internet fourni avec la console. Contrairement à la Mega Drive, la Saturn, la Super Nintendo, la GameCube ou encore la PlayStation 2 où il fallait acheter ce kit à part. Eh hey, mais la PS2 là, un port internet à l'arrière, qu'est-ce que tu te fous de notre gueule là? Non, le port internet est derrière la PS2 Slim, sortie en 2004. Mais la FAT, la première PlayStation 2 sortie en 2000, ne dispose pas de quoi se connecter directement en ligne. Il faut ajouter une extension à l'arrière de la console, dans le gros trou qui est fait à la base pour ajouter un disque dur. Oui, on peut ajouter un disque dur sur la PlayStation 2. Et c'est pas un mode comme sur la Dreamcast, hein, mais c'est bien, elle est bien vendue par Sony. La Dreamcast a une manette... original. Elle dispose de deux emplacements de carte mémoire qui ont pour particularité de comporter un écran intégré. C'était notamment pour afficher des informations sur le jeu ou une petite animation. La carte mémoire, appelée VMU pour Visual Memory Unit, comporte aussi une croix directionnelle, deux boutons A et B ainsi qu'à deux boutons Sleep et Mode pour jouer à des mini-jeux. On peut également connecter deux cartes mémoire entre elles pour copier des sauvegardes. Et le fait d'avoir un autre écran que celui de la télé s'appelle le gameplay asymétrique. Également utilisé sur la Wii U ou sur la GameCube, notamment sur Pac-Man Versus où Pac-Man était sur la télévision et les fantômes étaient sur les Game Boy Advance des copains. Il y a aussi un petit truc, mais bon, c'est pas gravissime en soi. Bon, c'est de la merde, c'est ça? Non, sérieux, c'est pas très gênant, c'est juste que le câble part du dessous de la manette. Après, moi, je joue sur mon bureau, donc c'est pas très gênant. Mais sur une télé de salon, il y a de quoi abîmer le câble quand même. La Dreamcast a fait un beat commercial. Pas autant que la Saturn, mais un bit quand même, hein, pour dire, c'est un peu moins vendu que la Wii U. La Saturn est la console de Sega de 5ème génération, qui a été commercialisée en 1994 au Japon et en 95 dans le reste du monde. Puis la PlayStation est arrivée et a démonté la gueule à tout le monde. Pour comprendre pourquoi elle a fait un bid, il faut remonter tellement loin dans le passé de Sega que ça fera l'objet d'une autre vidéo.
mais je vais quand même essayer de la faire courte. Maman, maman, la puce devait sortir vite, faut l'acheter, faut l'acheter, faut l'acheter. Bon bah, on est dans la merde. On dit un éditeur de jeu. Bah, si ça peut nous sauver. Donc Sega est mort à cause de Sony. Pas que, mais je l'expliquerai dans l'autre vidéo. Petite chose à remarquer, le logo de la Dreamcast est bleu alors que la LED est rouge. Désolé, ça coûtait le moins cher à faire le rouge. Alors de 1, c'est extrêmement raciste, et de 2, c'est pas vraiment ça. Le logo américain et japonais de la console est rouge. Je pense, hein, c'est peut-être pas vrai. Hein. À l'époque de la sortie de la console, l'Europe est en pleine expansion et Sega a trouvé bon de miser leur campagne publicitaire là-dessus. Même si leur campagne de pub montre plus des clichés d'Europe que des jeux en fait. They say every Frenchman is a philosopher. It is true, we are very intelligent. And also so cultured, and stylish, and artistic. That is why you are such good lovers, and all your women want us. You think you can defeat La France? You, who are so stupid, like a peasant. I challenge you, Rosebees. Let's play tête-à-tête online, through your Dreamcast. How you say, prepare for a good spanking. Dreamcast, play online. Et tout ça pour une conclusion bâclée en plus. Eh ben en fait, on peut jouer en ligne. Et franchement, je préfère les pubs japonaises qui sont beaucoup plus fun. Même en général d'ailleurs. Voici un petit exemple pour illustrer mes propos, la pub de Chuchu Rocket. Chuchu Rocket, donezmi o taskero, Chuchu Rocket, done kowa kowai, Chuchu Rocket, to Rocket, to sugoi. Zubababa! Dada Dakshan Kaduru, Chuchu Rocket, 2800円, yasui! Mais quelle magnifique transition pour parler des jeux disponibles sur cette console. Chuchu Rocket est un jeu disponible sur Dreamcast et Game Boy Advance, mais sorti en 2000 sur Dreamcast. Chuchu Rocket est un puzzle game où vous devez faire évacuer des souris dans des fusées. Simple, si l'on joue en mode solo. Parce que dès que l'on passe en mode multijoueur, même contre l'ordinateur, ça devient un bordel monstre, mais ça reste fun à jouer. Jet Set Radio n'est pas un jeu sur une télé-réalité, mais un jeu dans lequel vous devez taguer des murs des gangs adverses tout en étant en... Roller. Oh putain le tag. Il y a aussi plein d'autres beaux jeux comme Shenmue, Sonic Adventure, Virtua Tennis, pour ne citer que les plus connus. Après, comme toutes les consoles, il y a aussi des jeux ratés, notamment les adaptations de films. Regardez la Wii. Ah, et vous trouviez les boîtiers de PS1 fragiles? Et ben là, c'est bien pire. Les contacts entre la façade et l'intérieur du boîtier est vraiment abusé. En plus d'être extrêmement fragile, il y a de quoi mettre 2 GD-ROM dans le boîtier. Bon, la moitié des jeux n'a qu'un GD-ROM, mais quand même. Bah au moins, c'est pratique quand on a un boîtier cassé. Et en plus, ça arrive souvent, quoi. Et quand on a trop de boîtiers cassés, eh bien on est dans la merde. Mais rassurez-vous, allez laver vos pieds, puis venez écouter ce que j'ai à dire. Il y a des personnes qui mettent des GD-ROM dans des boîtiers de DVD qui sont beaucoup plus solides. Et même des fans ont créé des jaquettes exprès pour les boîtes de DVD qui sont limite plus beaux que les originaux. Étant la première console de la 6ème génération et en plus d'être sortie en 1998, les concurrents en ont profité pour mieux développer leur console, notamment Sony avec leur PlayStation 2 et leurs 7 processeurs. Mais on verra ça dans une autre vidéo. Putain, t'as tellement de trucs de prévu toi. Bien, cette vidéo est terminée pour aujourd'hui et on se retrouve la prochaine fois. Par contre là, il raconte de la merde, c'est pas encore fini. Si tu as aimé cette vidéo, tu peux me remercier simplement quelques clics, s'abonner et le pouce levé. Tu peux aussi me laisser un commentaire si j'ai oublié de mentionner quelque chose. Malgré un échec commercial et l'arrêt de la production en 2004, les joueurs ne voulaient pas voir mourir un ange trop tôt. C'est pour cela que la Dreamcast est une console qui, après 15 ans, reste encore supportée par les éditeurs. Sans déconner, il y a au moins 5 jeux qui étaient sortis en 2015. Sega voulait aussi une console qui allait être en avance sur son temps. Je vous laisse quelques exemples. La Dreamcast dispose d'un modem pour jouer en ligne. À partir de la 7ème génération, donc celle de la Xbox 360, de la PS3 et de la Wii, toutes les consoles étaient équipées de quoi jouer en ligne, et Sega l'a déjà fait 10 ans auparavant. La console est très modable, c'est-à-dire qu'on peut la modifier matériellement pour y ajouter des fonctionnalités. Notamment rajouter un lecteur de carte SD, un port VGA pour avoir une bien meilleure qualité d'écran, ou même un disque dur. Parce qu'à l'origine, la Dreamcast était censée posséder un disque dur qui se brancherait sur le port d'extension, un peu comme la PS2. Comme quoi que les mecs de chez Sega, ils étaient dans le turfu. Allez, salut à tous, à la prochaine.